Salut à tous, c'est Dexter et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale making of des VFX de Lord of the Sky, film d'animation réalisé par MyBS Prod, notamment avec Code Jordan, Mr. B-Boy, Jojo et Squeezie, comme vous voyez ici. Donc la vidéo qu'il a sortie il y a à peu près 3 semaines au moment où je fais cette vidéo, donc peut-être un peu plus genre un mois ou quand je la posterai, qui a fait quand même 26 000 vues, hein, avec une dominance large de pouces verts. Donc, il a fait plusieurs vidéos avant, mais qui était vraiment son deuxième gros court-métrage d'animation 3D. Et notamment, donc, avec la participation pour les VFX de... les VFX, donc, c'est Virtual FX, c'est les effets spéciaux en français. Notamment la participation donc de Seven Ace Studio FR, que je vous encourage donc à aller voir, qui fait les tutos, les speed arts, etc. Et donc ma participation, comme vous pouvez le voir ici. Donc en fait, comment ça s'est passé? Au départ, je lui avais envoyé une de mes vidéos, je crois. Il avait regardé et il avait trouvé ça sympa. Une de mes animations, résultat, il m'a jeté sur Skype. Et comme ça, par la suite, je lui ai donné quelques petits conseils et il m'a appris quelques trucs aussi. Du coup, je me suis proposé pour faire le VFX. Voilà. Donc, je vais vous faire un petit making-up de tout ça. Donc, en fait, j'ai tout fait avec Photoshop et son édition et son module de vidéo, de montage. Alors pourquoi avec Photoshop et pas un autre logiciel? Parce qu'en fait, avec, je pouvais, puisque en l'occurrence, mon rôle était de mettre les balles des avions, avec ce logiciel je pouvais déformer dans la perspective, etc. Je vais vous le montrer, les balles beaucoup plus facilement qu'avec un autre logiciel comme After par exemple. Vous allez tout de suite comprendre. Alors voici donc la vidéo que j'ai ouvert dans l'édition de montage. Alors ici je vais venir dézoomer avec Alt et la molette pouvoir avoir mon espace de travail. Ici, je peux tout personnaliser. Alors là, ça rame un peu, je vous cache pas, à cause de, d'une part, la capture vidéo, mais aussi que c'est mon projet final, donc il y a vraiment des milliers de balles qui ont été tirées, groupées dans des quelques surnoms. Alors moi, quand j'ai un projet de cette taille, je nomme même plus, quoi. Des fois, je mets des couleurs, et encore, parce que, bon, là, en l'occurrence, j'ai mis des couleurs, vous voyez, une arborescence de fichier assez incroyable, on s'en fiche un peu. Ici on peut zoomer et dézoomer, comme dans Premiere, voilà. Et donc là c'est le quelques vidéos et les groupes qui sont impliqués par-dessus. Donc son rendu était fait en 30 images secondes. Sûrement pour les hélices, ça fait un peu plus réaliste, etc. Notamment je crois qu'il a mis du flou de mouvement. On voit ici un peu d'occlusion ambiante légèrement, enfin bref. Et puis ça a été long à rendre, hein. Ça a été assez long à rendre. J'ai essayé aussi quelques parties de les rendre. Notamment pour sa prochaine vidéo, il a des petits problèmes de rendu. Parce que c'est, de toute façon, c'est très long à rendre, voilà. Donc ça, c'est le moteur CKD de base, hein. Donc comment j'ai fait? Donc par exemple, on va voir la première scène ici, où l'avion tire quelques balles. Est-ce qu'elles sont ici? Voilà, en fait, quand on fait entrer, il y a le son, et quand on revient et il n'y a pas le son, c'est parce que dans la première, en fait, quand on fait ça, on entend le son inversé, c'est assez chiant, faut désactiver la piste audio, enfin voilà, c'est tout un truc. Donc là, c'est l'avantage. Donc voici donc mes boulettes. Alors, comment ils ont été faits? On va bien zoomer dessus pour voir frame par frame, hein. Tout a été fait frame par frame, hein. Voilà. Donc c'est comme quand on fait les sables de Star Wars, hein. Les balles, c'est frame par frame, donc c'est assez haut. Donc voilà le premier tir. En fait, j'ai importé une composition, enfin une image que j'ai fait auparavant dans After. Je sais pas si je vais la retrouver pour vous. Attendez, parce qu'en fait je regarde sur mon deuxième écran. Peut-être ce fichier. Enfin bref, donc j'ai créé ça dans After. Donc en fait j'ai créé une sorte de masque avec un fondu pour le contour. Ça ressemble à une sorte de laser, mais ça représente aussi bien une balle, hein. Je me suis inspiré de Battlefield pour ça et de certains films. Et alors après l'avoir appliqué, je l'ai redimensionné
Alors je fais vous rechercher l'image, voilà, en fait je l'applique ici, vous voyez, donc toujours sur fond noir, voilà, donc ça se met au-dessus, je fais entrer, ah oui, ça va bien. Entrer, et je passe en mode superposition, pour exclure le noir, et après en fait il va falloir que je l'adapte à l'angle de vue de ma scène, donc chaque scène est différente, c'est pour ça que je peux pas faire tout ce que je veux, alors là ça va s'ouvrir, mais je crois que c'est pas le... pas le bon truc, non, je crois pas, mais voilà, et alors en fait, donc voilà, j'ai de l'homothétrie, de la rotation, de l'inclinaison, de la perspective, de la torsion, de la déformation, donc j'ai plusieurs trucs sympas, c'est-à-dire qu'avec ça, je vais pouvoir jouer sur la façon, et essayer de reproduire la façon dont c'est dans la scène, quoi, donc chaque fois, CTRL-T, hop, là, en l'occurrence, je vais faire peut-être un peu de torsion, enfin, je sais plus exactement ce que j'avais fait, hein. Donc à chaque fois, pour chaque balle, je dois le faire. Bon, après, une fois que la première est faite, généralement, ça va un peu plus vite, hein, mais... voilà, un petit peu de rotation. Bref, tout ça pour essayer d'arriver au même type de balle. Voilà. Et après, l'avantage... Alors là, c'est un objet dynamique, donc je pixelise ce calque. Et avec l'outil gomme, et un peu plus de faible opacité, voilà, je vais pouvoir régler les petits défauts, là, pour que ça fasse un peu plus... un peu plus naturel. Alors, est-ce que c'est là où j'ai fait la balle? Non, ça c'est un autre rush. Rien à voir. Voilà. Et alors là, ça bouge pas, hein. Logique, puisqu'en fait, l'image, faut la rétrécir, donc faut que je la trouve déjà. Où est-ce que je l'ai mis? On est dans le groupe... on est dans quel groupe? Vous voyez, c'est un peu le bordel. Voilà. On est dans le groupe 1, je crois. Voilà. Ici, donc je dois dézoomer à chaque fois, la faire d'une frame environ, et la placer par exemple, bon bah là, au hasard, hein, peu importe, hop, voilà, elle dure là, ici on dézoome pour mieux voir, donc le rendu dans 720p, hop, voilà, et on doit le faire comme ça pour chaque image, vous voyez, donc ça c'est un peu tous les dossiers suivant les plans, j'ai eu plusieurs plans à traiter comme ça, à des moments, avec des angles de caméra différents, notamment à l'intérieur, là, je sais plus exactement où c'est, mais à l'intérieur ça tire, donc j'ai dû régler l'opacité, l'appareil en fonction que l'avion tirait ou pas, voilà. Après, ce que je peux vous dire dans Making of du projet C4D, bah, c'est que là, c'est un plan avec une texture spéciale, donc l'avantage, c'est que ça se rend vite, et bon, là, ça rend très bien, hein, il n'y avait pas besoin d'utiliser un générateur d'océan ou quoi que ce soit. Il a pu faire un plan assez grand, l'avion est très bien modélisé, ça, j'ai vu le modèle, il y a vraiment rien à dire, c'est excellent, la fumée c'est de la matière pyrocluster, donc ça booste les temps de rendu, mais c'est très bien géré, il a très bien géré ça. Flou de mouvement parfait, voilà, alors à part certains petits moments où il a eu des bugs en fait, alors moi je croyais que c'était le désentrelacement de l'image, mais en fait je crois que c'est que, pareil, des fois, ici vous voyez, il y a 30 images secondes, je sais pas si vous voyez, avec la capture vidéo, mais des fois ça faiblit un peu, je sais pas pourquoi, il y a des images qui passent mal dans le rendu, je sais pas encore pourquoi, mais bon, ça se voit pas, hein, là c'est vraiment le making-of pour voir vraiment tous les petits défauts, quoi. Bon bah la synchronisation labiale c'est parfait hein, sur son personnage, l'animation est très bien, hein, vraiment rien à redire de ce côté là, bon, voilà un peu la fumée là peut-être qui bug, mais c'est des petits détails tellement inutiles. Et un objet ciel avec un pré-réglage de nuages en journée, parce que ça se voit les nuages sont pas volumétriques. Enfin, moi, en tout cas, je le vois. Je sais pas si vous voyez, mais ça rend très bien. Il n'y a pas besoin de rendre supplémentaire. C'est très bien. Voilà, j'espère que ce rapide making-of vous aura plu. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de MyBSProd pour lui demander plus d'informations, qui sera bien sûr plus apte à donner que moi, étant donné que je n'ai fait que la partie VFX et je l'ai un peu aidé pour ses 4D. Mais sinon, il a vraiment fait un excellent travail. Donc, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, vous abonner, d'aller voir aussi 7A Studio, qui a participé, notamment sur son Twitter, parce que, voilà, c'est une sorte de communauté qui participe, qui s'entraide. Je crois aussi qu'il y a Clank, Zoniprod qui a participé, SpowerFR, le créateur de la chaîne SpeedGraphics. Je crois
crois que ça s'appelle comme ça. Bon, j'ai vu quelques différents avec lui, parce que moi je mettrai plus de tutos sur cette chaîne. Vous avez qu'à voir la vidéo, ou la vidéo fac, je sais plus quoi. Enfin bref, ce sera expliqué dedans. Mais sinon, j'en veux pas du tout. Il fait du bon travail aussi sur sa chaîne. Puis après, plein de gens que je n'ai pas cités, bien sûr, qui ont sûrement participé à tout ça. Voilà. Salut à tous, c'était Axter. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et vous abonner pour voir mes prochaines vidéos.